Bonjour à tous. Aujourd'hui, Polygone vous propose un entretien avec madame Cécile Cuckerman, tête de liste Parti communiste français La France insoumise pour les élections régionales. Bonjour madame Cuckerman. Bonjour. On est ravi de pouvoir vous interroger à l'issue de ces élections. Vous êtes une ancienne professeure d'histoire-géographie dans un collège, devenue conseillère municipale après votre élection en 2004, à l'issue de laquelle vous rejoignez le groupe communiste. En 2011, vous remportez l'élection sénatoriale et devenez la plus jeune parlementaire de la Haute Chambre. Vous êtes d'ailleurs réélue en 2017 avant de vous présenter à l'élection régionale cette année. Lors de votre élection au Sénat en 2011, vous êtes en deuxième place sur une liste d'union de la gauche portée par Monsieur Jean-Claude Frécon. Aujourd'hui, vous êtes tête de liste lors des élections régionales et vous avez décidé de porter une liste commune avec le Parti communiste français, La France insoumise, Génération Climat et Ensemble. Mais vous avez abandonné la possibilité de fusionner avec les listes Parti socialiste et le groupe Les Verts. Pensez-vous que la gauche puisse gagner sans unité Et est-ce qu'un front des gauches est possible dans le cadre du second tour Bien, tout d'abord euh, rappeler effectivement, moi j'ai été élu conseillère régional en 2004, puis euh, adjoint au maire. Euh en 2008, donc euh, c'est effectivement un mandat euh, en tant que conseiller régional, en tout cas que, que j'exerce depuis de nombreuses années. Moi, je n'ai mis fin à rien euh, dans la constitution de ces listes. Je crois que, comme toujours en démocratie, il y a eu des rencontres avec les autres formations politiques. Certaines ont pu déboucher à la construction d'un programme, à la construction d'une liste dans laquelle certains se retrouvent. Et euh, cela n'a pas débouché avec d'autres. Donc, je pense pas plus, en tout cas moi que les autres, ont mis fin à quoi que ce soit, si ce n'est finalement au respect du, de, du jeu de nos institutions, euh, qui en tout cas sont en vigueur dans la Ve République, qui font que les élections régionales sont un scrutin à deux tours. Il y a donc un premier, puis un second tour, et donc... Euh, euh, malheureusement, heureusement, ça chacun euh, le jugera. Mais tout comme en 2004, tout comme en 2010, tout comme en 2015, il y a effectivement plusieurs listes de gauche parce que cette gauche aujourd'hui, elle est diverse hein, et, les, et les uns et les autres ne se retrouvent pas forcément dès le premier tour. Et bien évidemment, il y aura... Euh, en tout cas, c'est notre souhait, mais je, je pense que c'est le souhait d'ailleurs de l'ensemble des listes, une, une fusion euh, qui respectera le poids euh, démocrat démocratique euh, que chaque liste aura reçu au premier tour, tout comme cela s'est passé d'ailleurs lors des précédents scrutins euh, de ces élections régionales, en Rhône-Alpes avant, en Auvergne, et puis en Auvergne-Rhône-Alpes en 2015. D'accord. Alors, lors des élections municipales en 2020, le taux d'abstention a considérablement progressé, environ 58,4% au second tour, c'est du jamais vu. Et ce, ce, ce phénomène pourrait se reproduire durant ces élections. Comment renouer le lien entre les citoyens et les élus, en particulier dans le cadre de la région Bien, tout d'abord, ça fait de nombreuses années hein, que le taux d'abstention malheureusement augmente et ce euh, aux différents scrutins. Il n'y a plus de scrutin privilégié. Je crois qu'il faut quand même relativiser les, la question du deuxième tour, puisque bon, on était concerné par des deuxièmes tours principalement que les plus grandes villes, euh, là où euh, malheureusement l'abstention est souvent la plus forte pour les élections municipales. Euh, mais effectivement, euh, ces élections de 2020, tant au mois de mars qu'au mois de juin, ont connu une augmentation plus importante que euh, les précédents scrutins municipaux. Je ne sais pas ce qui se passera au mois de juin pour les élections départementales et régionales. Avant même euh, le début de cette crise sanitaire, tout le monde annonçait déjà des, une forte abstention. Je crois qu'au contraire, pour euh, s'attaquer à cette abstention, d'abord, il y a besoin de redonner du sens à, à la politique, du sens à l'engagement du respect de la parole politique euh, et de tout simplement redonner voilà, cette euh, démonstration qu'ensemble, euh, on peut changer les réalités, on peut changer la donne euh, et construire euh, les politiques qui, euh, dont nous avons besoin. Alors, bien évidemment, il ne suffit pas de le dire, ça ne se décrète pas. Et euh, nous subissons, et, et nous, nous le constatons depuis maintenant, effectivement, plusieurs, j'ai envie de dire même décennies, des, des, des fonctionnements et des attitudes qui font qu'aujourd'hui, euh, pour beaucoup de nos concitoyennes et de nos concitoyens, la priorité n'est pas forcément d'aller voter pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir décider, pour pouvoir sanctionner pour pouvoir encourager, euh, mais plutôt de laisser faire. Je crois qu'en tout cas, il faut s'attaquer à ce mal-là. Ce n'est pas euh, en quelques semaines que euh, euh, nous nous attaquerons globalement à ça, mais en tout cas, à travers ma liste, nous, nous voulons bien évidemment y contribuer et, et faire en tout cas cette campagne que nous avons commencée depuis maintenant plusieurs semaines, euh, qui se fait dans la proximité, en partant des réalités vécues et non pas en cherchant à imposer euh, telle ou telle vision euh, depuis euh, la capitale régionale. Alors justement, on. Parmi les, grands, les nombreux enjeux de cette élection figure la mobilité dans la région. Nous allons donc commencer par la mobilité. Dans votre programme, vous mettez l'accent sur la gratuité des services de transport et aussi sur le retour des transports ferroviaires dans les villages. Aujourd'hui, on pourrait considérer que les métropoles et les grandes villes sont les principales bénéficiaires euh, du développement du rail, puisqu'il facilite l'accès aux grandes villes et la concentration de l'économie. À ce titre, comment faire en sorte que le retour du ferroviaire ne concentre pas plus l'activité économique au sein de ces villes Bien, euh, d'abord, nous, nous proposons euh, la gratuité euh, des transports pour les lycéens euh, et pour euh, les étudiants dès la rentrée, effectivement, euh, parce que nous pensons que c'est aujourd'hui euh, un coût. Euh, le, le fait de pouvoir se déplacer c'est en même temps indispensable de pouvoir se déplacer notamment pour se former pour aller chercher de l'emploi mais aussi euh, pour se divertir quand les lieux euh, réouvriront euh, festifs et culturels euh, donc ça je pense que c'est important ensuite euh, le, le, la question n'est pas de développer les transports est-ce que le développement des transports renforcerait euh, le rôle des grandes villes non euh, on est dans une logique euh, qui maintenant depuis euh, quelques années euh, souhaitée par le gouvernement d'ailleurs euh, du quinquennat précédent euh, a été de métropoliser notre territoire, de concentrer effectivement et d'accélérer la concentration des richesses, des productions euh, au cœur de quelques grandes villes de, de la région. Donc la question n'est pas bien évidemment d'enlever du train dans les villes pour le mettre dans les villages. La question n'est pas de dire non plus qu'il y aura une gare et un arrêt dans les 4000 et quelques communes de notre région. La question en tout cas est d'avoir une offre de mobilité parce que... Que l'on habite euh, au cœur euh, de Lyon ou que l'on habite euh, en ruralité euh, dans les différents euh, départements de notre région, le droit à la mobilité doit être garanti. C'est cela l'égalité républicaine. Je crois d'ailleurs que on en a vu euh, euh, un exemple il y a euh, maintenant deux ans, c'est-à-dire que ce qui s'est euh, exprimé au, mo au moment euh, du mouvement des Gilets jaunes euh, a été, euh, en tout cas pour certains, une prise de conscience, c'est-à-dire que oui, partout là où l'on habite, la question de se déplacer. Est importante. Et bien évidemment, selon là où on habite, mais le coût n'est pas le même. Et pour autant, euh, on est tous des citoyennes et des citoyens de la République française. Et donc, les politiques publiques, les politiques régionales en matière de transport ferroviaire, doivent venir corriger ces inégalités et non pas les accentuer. Alors le rail est plus que jamais dans l'actualité dans la région grâce à deux projets qui divisent les citoyens. D'abord le RER Saint-Étienne-Lyon, proposé notamment par les candidats à la République en marche et les Républicains, et aussi le, le TGV Lyon-Turin, décrié par Europe Écologie Les Verts. D'ailleurs, à notre micro, la candidate euh, du groupe Les Verts, Fabienne Grébert, répétait son hostilité à cette ligne. Quelles sont vos positions sur chacun de ces deux sujets Bien D'abord, euh, on, on peut donner tous les mots que l'on veut, euh, il y a des réalités. Euh, la question d'un RER. Si c'est la question d'un RER euh, au sens où cela existe en région parisienne, cela implique bien évidemment des croisements, des lignes nord-sud, est-ouest, etc. Donc euh, la, la notion de RER Saint-Étienne-Lyon, je ne vois pas euh, ce qu'elle englobe. Ce qui est important, c'est d'avoir une liaison Saint-Étienne-Lyon qui aujourd'hui soit sécurisée, notamment dans l'arrivée sur Lyon euh, d'un certain nombre de TER qui partent à l'heure de Saint-Étienne mais qui n'arrivent que très rarement à l'heure en gare de pérage comme de Pardieu. Euh, donc je, je crois qu'il faut faire attention parce qu'il y a parfois des expressions qui peuvent être euh, très tendances euh, en politique, euh, mais si elles ne traduisent euh, en rien le besoin de mobilité des habitants, cela ne solutionnera euh, aucun problème. Et donc la vraie question par exemple aujourd'hui sur cette ligne, c'est comment est-ce que le matin, quand le train arrive à Givor, eh bien, les habitants qui viennent en gare de Givor puissent encore monter dans le train. Or, de plus en plus souvent, il n'y a plus de place. Donc, je crois que la question de RER ou pas RER n'existe pas. Si la notion d'un RER est d'avoir un, un cadencement, c'est-à-dire des trains qui partent régulièrement à la même heure euh, avec un espacement entre chaque départ euh, qui répond aux besoins. Cela doit se réfléchir et cela peut tout à fait se réfléchir dans le cas de la SNCF. Si ceux qui portent aujourd'hui la question du RER et de faire et d'accélérer la mise en concurrence du trafic voyageur de, de, de TER, eh bien nous n'y sommes pas favorables. Donc oui, bien évidemment, euh, il y a besoin d'une meilleure cadencement. Mais j'attire quand même l'attention, c'est d'ailleurs assez surprenant que dans cette région euh, qui compose 12 départements, on ne se soucie uniquement que de la ligne qui est aujourd'hui la plus utilisée, qui est celle entre saint Étienne et Lyon que j'utilise, euh, et assez peu des autres. Donc, avant de faire un RER, euh, quelle que soit la version entre Saint-Etienne et Lyon, je le redis, d'abord un, il faut solutionner le problème de l'arrivée des trains euh, sur la région lyonnaise. Moi, je suis là depuis 2004. On parle déjà, déjà en 2004, on parlait de la saturation de la part Dieu euh, et, et elle existe et rien n'est réellement fait euh, de façon euh, avec une vision à long terme pour en, pour en sortir. Euh, voilà, donc je, je crois qu'il y a vraiment besoin euh, de réfléchir à une offre de transport à l'échelle de toute la région, y compris pour sou soulager euh, des gares engorgées et pour assurer les plus grandes liaisons, comme ça se fait d'ailleurs une à deux fois par heure avec le Saint-Etienne en Berlieu, passant par Pardieu. Sur la question du Lyon-Turin. Euh, tout d'abord, euh, on n'est pas dans le cœur de la compétence régionale. Euh, il y a deux sujets. Euh, le premier, euh, force est de constater, tout le monde le remarque, qu'on a besoin de développer le fret ferroviaire. On a besoin d'un vrai fret ferroviaire. Plus personne ne supporte euh, le nombre de camions qui augmentent euh, dans les différentes vallées. D'ailleurs, que ce soit les vallées euh, alpines, que ce soit les vallées du Massif central ou que ce soit euh, la vallée du Rhône pour reprendre les vallées les plus structurantes de notre région. Euh, C'est un projet qui aujourd'hui est lancé, qui existe. Euh, au sein de ma liste, nous n'avons pas tous euh, eu par le passé euh, les mêmes positionnements, les mêmes analyses. Certains euh, y, sont, euh, y sont opposés. Personnellement, j'ai toujours défendu euh, cette ligne euh, du Lion Turin. Et donc la vraie question aujourd'hui qui est posée euh, pour euh, le euh, pour permettre euh, avant toute chose aux habitants de la Savoie de mieux vivre de mieux vivre avec un désengorgement de ces vallées, avec une qualité de l'air du coup qui sera meilleure. Et donc, en termes de santé publique, un véritable enjeu. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ce, qu ce Lyon-Turin, il permet simplement d'avoir des TGV passés qui s'arrêtent au mieux à Saint-Jean-de-Maurienne et qui, sinon, vont jusque-Turin pour permettre... Euh, à des, aux, aux habitants de traverser euh, la Savoie, est-ce que, est que réellement cette ligne sera utilisée pour augmenter la possibilité de traite ferroviaire et ainsi retirer les camions, notamment de la vallée euh, de la Maurienne, puisque c'est cette vallée-là qui est la première concernée euh, avec l'ouverture du Lyon-Turin. Donc je crois que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. On peut tous, euh, vous savez, on peut tous revenir en arrière. Aujourd'hui, le Lyon-Turin est, est, est posé, donc il existe. Par contre, ce qui n'est pas posé et ce qui évolue d'année en année, c'est quelle est l'utilisation qui va en être faite. Et au départ, l'utilisation qui est prévue, c'est justement de favoriser le développement du fret ferroviaire et un trafic voyageur pour permettre un maillage fin de, du territoire. Si, évidemment, à la fin, il ne reste plus, je le disais, que du TGV et très peu de fret ferroviaire, c'est un, un vrai problème. Et d'ailleurs, je pense que... Même si nous ne sommes pas dans le rôle de la compétence de la région directement avec la problématique du fret ferroviaire, mais bien évidemment, la région, par ses investissements, par, ses, par les infrastructures qu'elle développe, par le travail, le conditionnement qu'elle peut faire avec les entreprises, doit être un moteur de l'accélération du euh, recours euh, au fret, même si euh, malheureusement, là encore, cela fait partie des grands services publics qui ont été cassés et mis à mal ces dernières années. Très bien. Alors. Euh... Laurent Wauquiez a annoncé la commande de rames de train à hydrogène. Cela permettrait de remplacer les moteurs diesel classiques. Le diesel représente encore 26% de l'énergie consommée par les TER et est responsable de 61% de leur émission de CO2 selon la SNCF. Donc ce serait remplacé par des moteurs dont la combustion n'émettrait pas de gaz à effet de serre. Au vu des investissements nécessaires, êtes-vous favorable à cela D'abord, nous sommes dans une région une terre d'innovation. On, on parle du ferroviaire. Nous sommes la région qui a vu naître les premières lignes de chemin de fer. Nous sommes dans une région qui a vu euh, s'éloigner de la terre l'homme avec la montgolfière, celle où les choses se sont animées avec le cinéma. Donc, nous, donc moi je ne m'oppose pas à l'innovation et je pense qu'au contraire on a besoin de meilleures recherches. Ensuite sur cette question du train hydro hydrogène, bon tout d'abord permettrait tout de même une petite boutade c'est que pour, pour produire cet hydrogène et ces trains à hydrogène du coup, euh, il y a besoin d'une production électrique non négligeable. Donc faisons attention, à un moment donné, posons les choses, parce qu'il faut produire de l'énergie, et euh, l'énergie, euh, ça veut dire aussi un recours à l'énergie nucléaire. Donc euh, j'entends ceux qui disent qu'il faut sortir, bien évidemment, euh, du, du, du diesel. Euh, mais j'entends aussi ceux qui disent qu'il faut qu'il y ait moins de production nucléaire. Euh, donc je crois qu'il faut, faut aligner les choses parfois. Et donc moi c'est pour ça que je, je, je pense que sur cette question en tout cas du train à hydrogène, qui doit être de l'hydrogène décarboné, mais sur ça tout le monde se, se retrouve si on veut une efficacité, il y a aujourd'hui une vraie difficulté sur la région. C'est que euh, les lignes qui aujourd'hui sont les plus polluantes en matière de, de train, notamment avec le recours au diesel, sont souvent des lignes de montagne. Or, euh, la performance du train à hydrogène... Euh quand on arrive sur des pentes, quand on arrive en altitude, quand on monte, euh, reste à démontrer. Et ça, c'est euh, l'ensemble euh, des cheminots, toutes responsabilités qu confondues, qui le disent. Ce sont des réalités euh, scientifiques quant à la performance. Parce que l'objectif d'un train, euh, si l'on veut concurrencer euh, la route, c'est effectivement d'apporter de la fluidité dans le temps de déplacement et de l'amélioration euh, dans le temps de déplacement. Donc, oui, moi, je pense qu'il faut accentuer la recherche et il faut encourager la recherche publique pris sorti de tout intérêt et de toute pression euh, lobbyistique, mais euh, nous devons avoir un train hydrogène qui soit réellement un train performant. Donc le train hydrogène, ce n'est pas le temps de la campagne. Le train hydrogène, c'est un projet à accompagner, à tester, certainement d'abord sur certaines lignes plus que sur d'autres, pour ensuite euh, pouvoir euh, le généraliser à l'ensemble de la région. Mais techniquement Aujourd'hui, on sait que nous avons un certain nombre de lignes, euh, tant dans les montées du massif central que la montée, les montées des Alpes, qui sont euh, inadaptées au train hydrogène tel qu'on est capable de le produire aujourd'hui euh, euh, en France. Alors, de manière plus générale, la, la région dispose de nombreuses compétences en matière de politique environnementale. Dans votre programme, vous proposez, je cite, une bifurcation écologique et énergétique. Concrètement, qu'est-ce qui peut être réalisé dans le cadre d'un mandat de six ans D'abord, beaucoup de choses. Euh, en six ans, on peut faire beaucoup. Et quand on parle de bifurcation, c'est justement l'objectif de changer de voie tout de suite et maintenant. C'est bifurquer, c'est ce que cela signifie. C'est-à-dire que j'arrête d'avancer tout droit et à un moment donné, je change de, change de sens. Et je change de sens parce que sur ces questions environnementales, finalement, depuis le discours de Jacques Chirac où la planète brûle, on continue toujours de regarder ailleurs et la planète continue toujours de brûler. Donc, force est de constater qu'il ne suffit pas simplement de grandes messes incantatoires euh, en disant euh, qu'il faut s'attaquer à la pollution, en disant euh, qu'il faut un meilleur environnement, en disant qu'il faut sauver la planète. Encore faut-il que l'ensemble des politiques publiques, aujourd'hui, se réinterroge. Se réinterroge, on le disait sur l'émission des gaz à effet de serre, sur les pratiques collectives, c'est-à-dire que est-ce que l'on continue tous euh, ce tout-voiture ou est-ce que l'on développe du transport public et, et je dis bien ⁇ et ⁇ c'est-à-dire qu'on ne peut pas stigmatiser celui qui utilise sa voiture si l'on ne développe pas préalablement un réseau de transport public qui lui permet de se développer. Parce qu'il euh, n'y a rien de pire que de s'en prendre à ceux qui n'ont pas eu le choix que de quitter le cœur des villes pour aller s'installer à 20-30 km. Il n'y a rien de pire que de s'en prendre à celui qui a vu son usine fermée et qui est obligé maintenant de prendre sa voiture pour aller travailler à une heure de chez lui. Donc, si on veut sortir de ce tout voiture, ça veut dire une politique offensive en matière de transport. Ça veut dire également, si je prends euh, les secteurs les plus consommateurs, en tout cas euh, en matière de gaz à effet, serre, quoi, les plus émetteurs pardon, de gaz à effet de serre, ça veut dire s'attaquer réellement tout de suite maintenant en faisant euh, des partenariats et des conventions avec l'ensemble des bailleurs sociaux à la rénovation euh, thermique, énergétique de l'ensemble euh, du parc euh, de logement à l'échelle de notre région. D'abord, euh, cela est bon pour euh, ceux qui vivent dans ces logements-là, parce que bien vivre, c'est indispensable. Cela est bon pour les factures énergétiques, cela est bon, je disais, pour la planète, et cela est bon pour l'emploi, parce que si l'on engage réellement ce grand plan de rénovation, cela euh, permet inévitablement de créer et de maintenir euh, les emplois euh, nécessaires. Donc on peut s'attaquer euh, à, euh, à cette question, euh, j'ai envie de dire, de, 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 de l'énergie d'une véritable bifurcation, mais c'est aussi en structurant avec un véritable... Plan de filière industrielle, toute la problématique. Quand aujourd'hui on constate que sur la question du photovoltaïque, l'entreprise PhotoWatt à Bourgoin-Jalieu est menacée. L'entreprise Ferropem en Savoie qui produit le silicium, qui permet de faire entre autres euh, les panneaux photovoltaïques, elle euh, ferme, une des deux euh, vient de fermer il y a maintenant un mois. Donc on a besoin d'agir à travers toutes les politiques. Que met en place la région et de s'interroger à chaque fois sur les conséquences en matière environnementale et donc les choix politiques à faire pour réduire cette emprise sans, je le disais, pénaliser tel ou tel, sans générer de l'inégalité, mais au contraire en tirant tout le monde vers le haut. Alors à cet égard, une bifurcation écologique et énergétique demanderait un grand effort des entreprises de la région, en particulier du, euh, du secteur industriel qui est très polluant et qui représente 475 000 emplois dans la région. Comment repenser le tissu économique et le tissu industriel D'abord, tout le tissu industriel n'est pas polluant. Moi, j'ai visité dans le Puy-de-Dôme une entreprise qui, y compris, travaille et, 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 et sort justement de, de, du tout carbone, notamment en matière chimique, pour travailler à partir de matières premières euh, issues de, 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 de la culture et de l'agriculture. Donc, je crois qu'il faut éviter les caricatures, c'est-à-dire que y est, le temps de la mine et des usines polluantes est quand même bien derrière nous plus que, de, plus que actuellement. Euh, et donc, nous avons des, des, des entreprises industrielles qui, d'ailleurs, aujourd'hui, ont à cœur, parfois pour des raisons un peu marketing. Euh, souvent, j'ose l'espérer, pour une vraie prise de conscience des questions environnementales. Et donc, tout simplement, il faut aujourd'hui contractualiser avec ces entreprises. La question, là encore, euh, n'est pas euh, de leur dire « Vous fermez ». La question est de dire « Bien voilà, gagnant, gagnant, qu'est-ce que l'on peut faire euh, Quelle aide économique vous avez besoin pour euh, travailler euh, le changement de telle ligne de production qui aujourd'hui euh, est, est polluant et qu'en en, en, en repensant euh, la ligne, le mode de production, eh bien, on peut continuer de faire les mêmes produits en polluant honnêtement. Euh, euh, de quelle évolution, de quelle innovation technologique il y a besoin pour effectivement réduire cette empreinte-là. Donc je crois qu'on on peut et, et, on, et on doit et on est capable aujourd'hui d'accompagner cette transformation. Et là, on est sur l'utilisation de l'argent public efficace, efficace parce que cet argent public, qui est l'argent de chacune et de chacun, a un intérêt et une retombée sur le bien-être et l'environnement de chacune et de chacun. Mais moi, je suis assez surprise dans un certain nombre d'entreprises aujourd'hui où ces questions-là, je vous le disais, elles sont prises en compte. Elles sont prises en compte y compris parce que vous savez, le pire pour une entreprise, alors je vais parler euh, d'un certain nombre d'industries en rapport avec l'eau, c'est toutes les images. Euh, il y a maintenant quelques années, où selon ce qui se faisait ou pas dans l'entreprise, le lendemain la couleur de la rivière n'était pas la même. Et je crois que cela plus personne n'en veut. Qu'il y a une prise de conscience d'abord euh, du, du, du respect environnemental de la part des citoyens. Il y a donc une exigence sociale. C'est plutôt bien qui fait donc bouger les entreprises et qu'il y a aujourd'hui besoin d'accompagner, bien évidemment, pour aller encore plus loin et ne pas attendre plusieurs décennies parce que la planète elle n'attendra pas. D'accord. Alors justement, on en vient à des thèmes plus sociaux. Euh, plus sociaux, oui. Et en premier lieu, celui de l'emploi dans la région. Comme partout en France, les chiffres de l'emploi se sont dégradés en 2020. En fin d'année, la région comptait plus de 675 000 demandeurs d'emploi, avec de grandes disparités pour l'accès à l'emploi entre les départements. Dans une interview donnée à Radio Scoop, vous avez dit :« Il faut une région qui garantisse l'emploi. » Quelle politique économique est à prévoir de la part de votre Bien, Ce que je, je disais, Esther. Moi, je pense que, d'abord, euh, oui, la priorité, c'est l'emploi mais ce n'est même pas l'emploi c'est le travail parce que euh, sans travail on ne vit pas. voilà c'est donc on a besoin de ces ressources on a besoin d'abord de rencontrer l'autre on a besoin de s'épanouir on a besoin de produire euh, et donc le travail est indispensable euh, à l'individu euh, pour se réaliser et pour, euh, et, et pour s'émanciper. Euh, donc on a besoin d'accompagner ça on a besoin que ce travail je le disais tout à l'heure euh, soit présent dans tous les territoires c'est plus possible de voir ces déplacements quotidiens euh, qui durent de plus en plus longtemps, qui sont de plus en plus d'ailleurs euh, longs et, et en termes de kilomètres, euh, pour permettre que chacun euh, puisse y avoir accès. Euh, donc la région a une compétence en matière de développement économique. La région intervient aujourd'hui dans l'aide aux entreprises et je ne remets pas ça en cause. Et donc comme je le disais euh, précédemment dans, dans l'interview que vous citiez, euh, la question est bien que la région puisse aider entreprises qui en ont besoin. On sort d'une crise sanitaire euh, avec des, 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 des conséquences économiques. Il euh, y a eu du cash, comme on dit, financier, comme jamais qui a été distribué. Donc la question, c'est que ce cash financier aujourd'hui, ben, comment est-ce qu'on en contrôle l'utilité Donc oui, à la différence de Laurent Vauquier, qui, à la première session après son élection en tant que président de région, a fait le choix... De mettre fin au conditionnement des aides économiques. Moi, je dis aujourd'hui, une des premières mesures sera euh, de remettre en place euh, ce conditionnement, mais pas ce conditionnement simplement, mais de repenser ce pacte économique avec les chefs d'entreprise, avec les représentants des salariés, avec les élus locaux, pour redynamiser le développement économique dans chaque territoire et garantir la présence du travail dans chaque territoire. Naturellement, vous là... savez, je, je coupe, mais dans ce pays, ce qui est formidable, c'est que tout le monde dit qu'il faut plus de contrôle sur les aides sociales, parce qu'il y aurait des fraudeurs. Mais dès qu'on parle d'aide économique, personne n'en veut. Donc moi, je ne suis pas pour conditionner a priori. Je connais trop la réalité de nos entreprises. Je sais qu'elle est compliquée. Mais vous voyez, à un moment donné, c'est comme dans les aides sociales. C'est-à-dire que oui, il y a un moment, bah, à la fin de chaque année, on justifie de ce qu'on en a fait ou de ce qu'on n'en a pas fait. Et quand on utilise mal, eh ben, on rembourse. Alors naturellement, la politique de lutte contre le chômage doit aussi comprendre un, un volet. Formation professionnelle. Selon Najat vaubel Kassem, candidate tête de liste pour le Parti Socialiste, Laurent Wauquiez aurait coupé un milliard d'euros du budget réservé à la formation. Faut-il attendre une hausse de ce budget de la part de votre liste Bien, d'abord, c'est pas sur l'agenda de Valéol Belkacem, c'est effectivement le, le, le fruit de cinq ans de mandat. Donc, euh, nous avons dénoncé depuis d'ailleurs 2016 euh, les coupes. Je crois que quasiment chaque année à l'intervention que j'ai dû faire sur euh, le vote du budget primitif d'Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai dû interpeller sur la réduction du baisse du budget de la formation professionnelle. Sur, mais au-delà même de la baisse de ce budget, sur la réduction. Des offres de formation, sur la réduction de la territorialisation de ces offres de formation et donc inévitablement un éloignement. Donc, bien évidemment, comme nous le disons, euh, nous nous proposons euh, de reprendre euh, cet effort parce que c'est indispensable. Alors, je sais que quand on forme les gens, on ne coupe pas des rubans à la fin et on, on inaugure beaucoup moins. Mais euh, moi, je fais de la politique pour être utile euh, aux femmes et aux hommes et je crois qu'il faut répondre. Et nous le disions tout à l'heure, euh, accompagner les entreprises pour relever le défi environnemental nécessite aussi de la formation euh, des salariés pour euh, transformer euh, des postes de travail, voir les choses autrement. Et puis, c'est aussi accepter que, puisqu'on nous parle beaucoup euh, de mobilité professionnelle euh, euh, dans, euh, dans, dans les médias et euh, de la part du gouvernement, eh bien pour faire de la mobilité professionnelle, il faut aussi pouvoir se former. Donc il faut accepter qu'à un moment donné, eh bien on a fait un métier et on se forme pour accéder à un autre. D'accord. Au-delà des questions économiques, la région possède aussi un rôle important dans l'éducation par l'entretien, la construction et la gestion des lycées. À ce titre, on constate que l'OCDE, dans son classement issu des données PISA, rapporte une aggravation des inégalités scolaires en France. Elle met l'accent sur l'impact des conditions de vie et du milieu social sur la scolarité des enfants. En 2015, l'école française est celle où l'origine sociale pèse le plus lourd dans les résultats scolaires, parmi les pays de l'OCDE. Le phénomène de reproduction sociale s'accroît et inquiète certains citoyens. Comment la région peut-elle enrayer les inégalités de destin? Bien, d'abord, là, je crois qu'il ne faut pas mentir aux Auvergnats et aux Rhône-Alpins. Euh, on est effectivement sur des problématiques sociales, euh, de conditionnement, y compris euh, social, et d'absence de grande politique publique de la part de l'éducation nationale dans ce champ-là. Et que, effectivement, euh, la problématique n'est pas euh, simplement sur l'investissement euh, dans les lycées, comme vous l'avez rappelé, et ce qui est du rôle de la compétence de la région. Euh, par contre, la région, là où elle peut en être, bien évidemment, et alléger, c'est pour ça que notre liste propose. Dès la rentrée prochaine, la gratuité de la restauration scolaire dans les lycées, c'est effectivement en tout cas permettre aux familles les plus modestes euh, d'assurer de, 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 la continuité euh, du cursus scolaire pour leurs enfants. Je crois que c'est important. Je crois que, le, vous savez, quand on voit les emplois du temps au lycée aujourd'hui, euh, avec des cours de 8h à 18h et, et une heure seulement de pause pour déjeuner, euh, je crois que la qualité du repas est importante. Et si l'on peut effectivement prendre ça en charge, c'est un soulagement et une aide immédiate pour le pouvoir d'achat des familles les plus les plus populaires sur le reste et sur ce, ce, ce sondage quoi, sur ce classement pardon bon, je crois que d'abord il faut toujours faire attention parce que Bon, on compare toujours ce qui nous intéresse d'un pays à l'autre et, et pas forcément de façon globale. Il y a aussi d'autres inégalités dans les autres pays. On se rend compte qu'on les, les, n'y vit pas forcément toujours mieux. Je crois en tout cas qu'on a besoin sur cette question d'éducation de reprendre, mais là, dès l'école maternelle, dès l'école primaire, avec des conditions de prise en charge des plus petits pour consolider les apprentissages. Je crois aussi qu'on a besoin de revoir des programmes qui, à force de parler de savoir faire euh, ne sont plus sur les savoirs et qu'à un moment donné, pour s'émanciper, pour se former, pour se confronter à l'autre, on a besoin d'apprendre. Et euh, force est de constater que ces dernières années, ce n'est pas du tout la vision euh, des programmes scolaires, tout niveau confondu. Mais là, je crois qu'on sort du, du champ <laughs> de la région. Et, là, je, 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 en tout cas, ce n'est pas euh, le Conseil régional qui a son avis euh, à donner sur tout ça. Mais on pourrait parler pendant des heures. Euh, mais on a eu effectivement une dégradation de notre système qui fait qu'il est de plus en plus inégalitaire et que cet ascenseur républicain, euh, cette... Euh, Promotion, cet accompagnement euh, de, des, des classes populaires pour pouvoir réussir, même si, euh, relativisons, hein, ça n'a jamais non plus été euh, total et formidable, euh, même dans les années 70. En tout cas, cette capacité euh, émancipatrice qu'a eue l'école à un moment donné de la République, elle ne l'a plus, et elle ne l'a plus pour euh, plein de raisons qui, euh, me semble-t-il, en de toute, toute honnêteté, dépassent la région. Ouais, les compétences du Conseil régional. Alors, vous avez accès justement à votre programme pour la famille autour de l'alimentation en proposant la gratuité des repas au lycée et à l'université, le retour du circuit court dans une démarche de respect de l'environnement. Rajoutons à cela la gratuité des transports ferroviaires, le développement du réseau ferroviaire et aussi le retour de certains services publics. Vous avez donc un programme de dépenses importantes. Comment comptez-vous financer cela Bien, d'abord, euh, vous savez, la dépense, ce n'est pas mal. La dépense qui est faite au service de la population et de l'intérêt général, c'est une chose importante. Deuxièmement, euh, d'abord, euh, je veux reprendre sur ce que vous avez dit, euh, il est hors de question que la région euh, paye euh, tous les services publics euh, qui ont fermé. Le rôle de la région est bien évidemment d'être une collectivité politique, puisque nous sommes le, élus à l'issue d'une élection, et donc c'est aussi d'être dans la bataille, et dans une bataille beaucoup plus forte que cela n'a été ces dernières années, avec la SNCF, avec euh, bien évidemment l'Agence régionale de santé, pour s'assurer que les hôpitaux ne ferment pas et qu'ils se développent. Donc, tout ceci n'engendre pas, pas de la dépense de la part de la collectivité régionale. Pour le reste, vous savez, pour augmenter la dépense, il y a plusieurs. Euh, D'abord, quoi pour, pour faire de la dépense, pardon, il y a plusieurs, plusieurs options. Oui, on peut, euh, parce que le, le, le taux d'endettement est très bas aujourd'hui, euh, on peut augmenter de quelques années la de la dette pour pouvoir satisfaire ces besoins-là. Vous savez, la restauration scolaire de, de, de tête, c'est 1%, 1 du budget de la région. Donc, je crois qu'il faut relativiser aussi les dépenses que l'on propose. Elles sont chiffrées de la même façon que nous proposons l'accès à une licence gratuite pour la pratique sportive des lycéens. Je crois qu'on a besoin, en tout cas, et c'est ce que l'on appelle le public de la région. Voilà, on a besoin aujourd'hui d'agir auprès des lycéens pour leur permettre de bien vivre et donc de bien étudier et de bien apprendre parce que c'est comme ça que l'on forme euh, les citoyens de demain. Euh, donc oui, c'est une dépense indispensable. Il y a aussi besoin de revoir un certain nombre de dépenses aujourd'hui euh, effectuées euh, par euh, la collectivité euh, régionale dans un certain nombre de champs. Il y a besoin, je le disais, euh, d'être plus exigeant sur l'utilisation de l'argent public. Et donc, euh, quand l'argent public n'est pas utilisé à bon escient, eh bien d'en de, 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 exiger euh, les remboursements euh, pour ceux qui fraudent et qui ne respectent pas euh, les règles du jeu collectif. Donc, donc la dépense, euh, elle peut être financée, pas forcément euh, en dépensant plus, mais en dépensant aussi différemment, euh, en investissant par exemple moins euh, sur euh, des portiques de sécurité à l'entrée des lycées, qui peuvent certes sécuriser euh, a priori chacune et chacun, mais qui ne règlent rien aux problèmes de vie dans les lycées et de violence qui augmentent entre les jeunes. Donc voilà, en faisant de la dépense utile, en faisant de la défense efficace pour le plus grand nombre, et pas simplement en faisant de la dépense qui permet de l'affichage politique, mais qui ne répond pas aux besoins et aux priorités en termes de sécurité, en termes alimentaires, en termes de formation, dans tous les domaines, euh, aux besoins des Auvergnats et des Rhônes-Alpins. Nous passons maintenant à une autre inquiétude des citoyens avec le thème de la sécurité. Le pacte régional de sécurité de l'Eurovoquier prévoit un investissement de 3 millions d'euros. De la région. Il s'axe principalement sur des investissements en vidéosurveillance, sur des, euh, sur, des sur des centres de supervision urbain et sur des aides à l'équipement de policiers municipaux. Quel jugement émettez-vous euh, du bilan sécuritaire de Laurent Vauquier et quelle politique comptez-vous mener Bien, tout d'abord, la sécurité est un vrai problème. C'est un problème parce qu'on aspire tous à pouvoir vivre en sécurité. Et souvent, euh, quand on parle d'ailleurs de sécurité avec les habitantes et les habitants, euh, ceux qui en pâtissent le plus, ce sont euh, ces femmes et ces hommes qui habitent dans les quartiers populaires. Ce sont les plus pauvres d'entre nous qui sont les premières victimes de cette délinquance du quotidien, de l'installation dans certains quartiers des trafics de drogue, des voitures qui brillent ou des rodéos qui ont lieu toute la nuit. Donc, c'est pas quelque chose que à balayer d'un revers de manche comme si ça n'existait pas. Oui, c'est une réalité et il faut s'y attaquer. Là encore. On ne peut que regretter que ces dernières décennies, l'on ait réduit drastiquement la présence policière pardon, dans nos quartiers, que l'on ait refusé euh, la remise en place d'une police de proximité, d'une police du quotidien. Chacun l'appellera comme il veut. Je n'ai pas euh, de religion à la matière sur le nom, mais en tout cas sur cette présence humaine indispensable qui permet d'abord de désamorcer les tensions et qui permet d'intervenir au moment où les choses se dégradent et non pas une fois que tout a que tout a explosé et que l'on essaye de penser tant bien que mal donc c'est un vrai sujet et ce n'est pas un sujet auquel on peut répondre là encore simplement euh, par euh, euh, comment je vais le dire euh, par petite mesure et à laquelle il faut prendre à bras le corps vous savez le bilan sur la sécurité de la politique de l'ont ça parle de lui-même oui il y a eu des dépenses et en quoi, en cinq ans, six ans maintenant, presque, la sécurité, euh, la délinquance a baissé en Auvergne-Rhône-Alpes Rien du tout. Donc, vous savez, moi, je suis une femme qui juge aux faits. Et je constate que malheureusement, je ne le dis pas à des femmes politiciennes, mais malheureusement, ce que l'on a vécu euh, dans l'agglomération lyonnaise ces derniers mois et ces dernières semaines a existé. Donc, cette politique n'est pas efficace. Mais par contre, moi, je donne rendez-vous à Laurent Vauquier quand il veut pour que nous allions au ministère de l'Intérieur et exiger une meilleure présence policière renforcée dans tous les quartiers de notre région. Parce que euh, moi, je pense qu'il n'y a aucun quartier perdu de la République. Par contre, oui, il y a des quartiers qui ont été oubliés par la République. Et il s'agit de remettre l'égalité républicaine au cœur de ces quartiers. C'est vrai en matière de sécurité, mais c'est vrai en matière de tout service public. Alors la politique de la région sur la gestion du Covid a été critiquée par les oppositions. L'Orvoquier a notamment organisé une grande campagne de tests et a fourni des équipements de désinfection dans les lycées. Que, que pensez-vous de son bilan Moi, je ne surferai pas là-dessus. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait lors des différentes assemblées régionales. Je pense que la santé, c'est cher à tout le monde. Euh, je pense qu'il y avait besoin de réagir face à un État qui était défaillant. Oui, je le regrette. Je regrette que ce soit les collectivités territoriales qui aient pris la place de l'État dans ce champ-là. C'est vrai pour les masques, c'est vrai pour les tests, c'est vrai pour la capacité à ouvrir des vaccinodromes, parce que si aujourd'hui euh, l'on peut se faire vacciner, c'est parce que les collectivités territoriales répondent présents et investissent avec un retour quand même qui n'est pas à la hauteur de la part de l'État. Euh, donc voilà, je, je crois qu'il faut faire... Attention, moi je ne fais pas partie de ceux qui balayent tout d'un revers de manche en politique. Après, aurait-il fallait-il faire autrement Ça je ne le sais pas. Vous savez, je crois qu'on n'est pas encore sorti de cette crise sanitaire. Le temps viendra de tirer les enseignements nécessaires de la gestion et de la responsabilité de toutes et de tous dans cette crise. Mais j'étais euh, quelques jours avant Noël euh, dans un centre de dépistage euh, à Firminy, dans la vallée de Londenne, euh, je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de monde qui venait se faire tester, euh, de tout bord politique, euh, de toute sensibilité, et que oui, il y avait cette volonté d'être rassuré pour tout de même pouvoir passer les, 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 les vacances en famille. Donc euh, je crois, voilà, faisons attention parfois à ce que l'on peut dire. Par contre, ce que je regrette, c'est qu'effectivement, ce soit la région qui est dû... Développer ça euh, plus qu'autre chose. Alors la, la crise sanitaire et on finira là-dessus a particulièrement affecté le monde de la culture. C'est l'un des principaux perdants de la crise. Quelles sont les mesures d'aide et de soutien au secteur de la culture que vous souhaiteriez mettre en place et quelles politiques culturelles comptez-vous mener Bien, tout d'abord, la culture c'est indispensable. La culture c'est ce qui permet de rencontrer l'autre, c'est ce qui permet d'avoir des souvenirs, c'est ce qui permet d'aimer ou de ne pas aimer euh, et ainsi de se construire. Euh, en lien avec l'autre. Et on le voit bien d'ailleurs. Euh, on peut regarder tous les films que l'on veut à la télévision, rien ne remplace une salle de cinéma. Euh, on peut, euh, euh, on peut acheter tous les livres qu'on veut, mais aller dans une médiathèque, échanger, discuter autour d'un livre, ça reste quelque chose d'important. Euh, on peut regarder une pièce de théâtre, là encore depuis chez soi, mais euh, le partage d'un public quand il rit, quand il pleure, quand il applaudit, quand il hurle parfois, euh, ça, ça fait aussi partie de ce spectacle. Et d'ailleurs, pour avoir rencontré dans beaucoup de lieux occupés les professionnels de la culture, euh, ceux qui sont en rapport avec le public immédiatement, c'est ce qui leur manque aussi, ce rapport, ce, ce retour finalement de, de, de leur travail euh, par rapport euh, au public. Euh, donc, euh, je crois que d'abord il y a besoin d'entendre ce qui se dit euh, dans les différents euh, lieux occupés, les propositions. Il y a un grand grand enjeu sur la réforme de l'intermittence, mais là encore, on est plus sur le ressort législatif. Euh, il y a en tout cas pour la région deux choses à faire. Euh, la première, c'est de travailler beaucoup plus en amont. Alors, je pense plus particulièrement au spectacle vivant euh, avec les différentes compagnies pour aider à la création et il y a besoin, c'est l'idée un peu du panier culture que l'on que l'on veut proposer, euh, c'est-à-dire de d'avoir là encore un, un pacte gagnant gagnant, c'est-à-dire on demande à des artistes de différentes de différents esthétismes de se retrouver, euh, donc musiciens, euh, spectacle vivant, euh, photographe, art plastique, etc., de proposer euh, des, 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 des œuvres culturelles euh, et, en échange de ces 3, 4, 5 jours euh, de, de, de travail et donc de salaire pour eux, eh bien, euh, une diffusion de cette œuvre euh, dans des lieux euh, qui sont plutôt éloigné, inaccessibles de, de, de la pratique culturelle, de pouvoir reconventionner avec un certain nombre euh, d'institutions euh, locales culturelles et de prendre en compte réellement ce qu'elles font. Moi, vous voyez, quand j'entends euh, des, des directeurs d'établissements qui me disent qu'en fait, euh, ils font énormément de choses en partenariat avec les associations, euh, la vie locale, et que ceci n'est pas pris en compte au moment de négocier leur subvention avec la région, je pense que ce n'est pas normal. Et euh, vous savez, moi, je suis euh, euh, élu de la la Loire et euh, euh, au moment de la grande décentralisation culturelle, Jean d'Asté à un moment donné a dit euh, à ses troupes, à sa troupe, euh, eh bien euh, maintenant on sort on, et, et on va aller jouer là où les gens habitent. On va aller jouer euh, en bas euh, des quartiers populaires de Firmini, on va aller jouer sur les marchés, on va euh, monter dans le Pila pour aller jouer sur les places de village. La culture c'est ça et le rôle de la région Là, en matière de politique culturelle, en matière d'aménagement, c'est justement d'accompagner les artistes et de permettre et de prendre en charge financièrement le déplacement de ces œuvres pour que réellement, en zone, là encore, dans les quartiers populaires, en zone rurale, tout le monde puisse avoir accès à la culture et peut-être encore plus après cette crise qui nous en a privé pendant de nombreux mois. Bien, il est maintenant temps de conclure cet entretien. Merci beaucoup, Madame Kuckerman, d'avoir accepté euh, notre invitation. Merci. Merci à l'université Jean Moulin Lyon 3 pour la mise à disposition du matériel technique et des locaux et enfin merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet polygone.org ainsi que sur nos réseaux sociaux. C'était le grand entretien avec Cécile Cuckerman. Excellente journée à vous. Merci bien.